Son sang n'a pas circulé dans son cerveau pendant environ une heure. Son électroencéphalogramme était complètement plat. Elle ne présentait absolument aucune activité cérébrale, ce qui normalement devrait signifier que le cerveau n'a pas fonctionné pendant tout ce temps. Pourtant, elle dit avoir vécu une expérience de mort imminente merveilleuse et a vu et entendu certaines choses qui s'étaient passées dans la salle d'opération alors qu'elle ne pouvait normalement ni voir ni entendre. My vantage point was rather like sitting on the shoulder of the surgeon, and I was free to move around at will. While I knew what they were doing, they didn't know what I was doing. They thought I was that thing lying on the table. Ses yeux étaient fermés avec du ruban adhésif pendant l'opération, et elle avait des protections sur mesure dans les oreilles. Pourtant, elle a décrit les instruments utilisés pour scier son crâne, alors qu'elle n'en avait jamais vu et n'en a jamais vu depuis. I saw in Dr. Spetzler's hand an instrument that reminded me suspiciously of an electric toothbrush. There was a case very close to it, and it had bits that looked like the case that my father kept his socket wrenches in. Son neurochirurgien a dit qu'il ne comprenait pas comment cela était possible. If somebody asked me to describe what the Midas Rex drill looked like, I might very well use the term like an electric toothbrush. And describing them as if they were a socket wrench set, I think that's very appropriate. Her ability to describe what went on during surgery is inconceivable to me. Considering the state that she was in. Pam Reynolds was clinically dead. Cela remet en question l'idée que notre conscience, notre esprit, est généré par notre cerveau, parce que son cerveau ne fonctionnait pas. Et ça ne l'a pas empêché de vivre l'expérience la plus forte de sa vie. Comment peut-on être conscient quand on est inconscient? C'est un oxymore, c'est ridicule. Pourtant, c'est ce que les faits semblent indiquer. Et cela, bien sûr, a un impact sur l'idée que l'on se fait de la mort. Serait-ce possible qu'il y ait une expansion de la conscience au moment de notre mort? Quand on survit à une expérience aussi bouleversante que la mort, on se retrouve avec un trou béant dans l'âme.